Où sommes-nous? Bordure extérieure, système rémitique, coordonnées 042. Équipage, sans y aller! Appelez au secours la station impériale la plus proche. Il y a un ancien dépôt de munitions sur ce système, capitaine, commandé par Colonel Graham. Eh bien, c'est notre jour de chance. Appelez-les. On n'en a pas fini, Vanguard. Donc, vous arrivez sur mon territoire, à l'improviste, et vous voulez mon matériel? Colonel Graham, le projet Starhawk est à notre portée. Ce qu'il me faut, c'est des réparations et des munitions. Non. L'Empereur m'a affecté moi à ce dépôt. C'est moi qui décide de l'utilisation de ces ressources. Et pour l'instant, votre destroyer stellaire en fait partie. Considérez-vous réaffecté. L'Overseer a été envoyé sur cette mission par l'amiral Sloan elle-même. L'amiral Sloan n'est pas là, capitaine. J'ai des guérillas rebelles à gérer. Et maintenant, vous aussi. Terminé. Il veut qu'on affronte les rebelles? Très bien. On va protéger son dépôt. Mais si ses munitions se perdent dans le feu de l'action, bien... tant mieux pour nous. Mais les règles interdisent spécifiquement cela. Je ne serai pas battu par Vanguard, des imbéciles vaniteux ou qui que ce soit. Voyons, votre jugement est... est parfait. Appelez l'escadron Titan. Maintenant. On peut parler ? Oui. Parce que je me demande bien ce qui va se passer, là. Bon. Ça aurait pu mieux se passer. Je n'aurais jamais pensé que ce vaisseau de combat rafistolé serait plus dangereux que la bise de Zavian. Les coordonnées de ce chantier naval nous ont presque coûté l'Overseer. Regardez ça. Le pont en dessous, c'est encore pire. Et vous avez entendu? On ne nous donnera pas les munitions nécessaires pour répliquer. Je comprends que la capitaine Kirill soit furieuse. On s'en sortira. Rappelez-vous le groupe de combat échelon après l'escarmouche sur Mélissi. Pas de renfort, le vaisseau de leur amiral capturé. Mais ils se sont repris. Ils ont repoussé l'ennemi, réparé en territoire hostile et lancé un sauvetage osé. Et une fois prêts, ils sont revenus écraser les rebelles. Il y a toujours une façon de gagner. La capitaine nous a appelés. Ne jouons pas avec sa patience. Je suis d'accord. Bon, ce pont-là n'a pas l'air si abîmé que ça. Hein, franchement. Ça va. C'est où déjà? Je sais plus où c'est le... ah oui, salle de briefing. Les forces rebelles locales se préparent à attaquer le dépôt de munitions du colonel Graham. Vous patrouillerez dans le secteur en vue de l'attaque. Et protégerez le dépôt. Graham est un imbécile, mais ses actifs appartiennent à l'Empire, donc ils sont à nous. Pendant votre patrouille, Titan 3 fouillera secrètement la station, ses cargos et ses navettes pour trouver du baradium. Cet explosif sera parfait contre le Starhawk. Marquez le baradium et LT-514 le récupérera à distance. Pendant que Graham est occupé par l'attaque rebelle, escortez le baradium jusqu'à l'Overseer pour le mettre en sécurité. Selon le colonel, ces trois tours contiennent d'importantes réserves de munitions et seront les cibles prioritaires des rebelles. C'est une poudrière. Si on perd ces tours, on perd le dépôt et l'Overseer sera sans défense. Rappelez-vous, tant que les réparations sont en cours, nous ne pouvons pas nous permettre d'attaquer la République. Sécurisez le baradium, empêchez l'assaut rebelle et nous pourrons quitter le système de rémitique. Vous êtes en solo, escadron Titan. Faites les choses correctement. Intéressant, c'est une mission dans la mission. On profite d'une mission de défense contre les rebelles, ou d'attaque d'ailleurs, je sais pas, pour aller choper des ressources pour nous. C'est pas joli, joli ça. Pourquoi les petits officiers sont-ils toujours les premiers à exhiber le peu de pouvoir qu'ils possèdent?
Gralm peut diriger ce coin pathétique de la galaxie comme il voudra. Mais je ne le laisserai pas mettre notre mission en péril. Ce dépôt a tout ce dont nous avons besoin pour annihiler le Starhawk. Gralm est peut-être un obstacle, mais ce n'est pas notre ennemi. Nous ferons notre devoir pour protéger ce qui appartient à l'Empire. Allez, préparez votre vaisseau. Bah, j'avais pas fait gaffe à son nom. LT-514. Je m'appelle LT-514. Je vous dois ainsi qu'au reste de l'escadron Titan des excuses. Lors de l'attaque contre l'Overseer, j'ai compris que tout ce que je savais sur la guerre était ce que j'avais lu. Je commence à comprendre ce que vous devez ressentir dans ce cockpit sous le feu de l'action. C'est terrifiant, et pourtant vous prenez ce risque tous les jours. J'ai accepté cette affectation pour apprendre. J'ai clairement du travail. Je sais que le colonel Gralm a tort, mais tout de même, réquisitionner ces munitions semble drastique. Mais la capitaine Kerrill a raison de dire que les ordres de l'amiral Sloane remplacent ceux de Gralm, et nous les suivons. Au travail, il y a beaucoup de choses à faire. Ouais, visiblement. Ok. Personne d'autre ? Ah, chaîne. Cette routine est familière. On a souffert. On a subi des dégâts. On est affaibli. Mais rien n'est fini. Jamais. Je l'aime bien, lui. Les prochaines étapes sont simples. On récupère, on trouve Vanguard, puis on se venge. Le premier crash a été le plus dur. Il a fallu réapprendre à respirer, marcher. J'ai vu mon cockpit dans des cauchemars. C'était rien de personnel. Un rebelle m'a tiré dessus, mon coéquipier a riposté. Mais la douleur est personnelle. On décolle ? Mon équipe méritait que je donne le meilleur de moi-même. L'Empire l'exigeait. Alors petit à petit, j'ai repris le dessus sur la douleur, je me suis relevé, j'ai volé. La durée est droit devant. En attendant... Survivre, c'est se venger. Réglons tout ça. Il est marrant, je l'aime bien, lui. Bonne règle. C'est toujours pareil. Ces ordures de bureaucrates, tout comme le colonel Gralm, sont toujours en vie. Mes frères sont morts lors d'un raid rebelle avec la 181e qui n'aurait jamais dû avoir lieu. J'accuse le sénateur impérial qui a appuyé cette mission vouée à l'échec, autant que les rebelles qui ont tiré les torpilles. Prenez n'importe quel désastre militaire et vous trouverez toujours un bureaucrate avec un cerveau de banta derrière. La capitaine Kerry, elle a fait le bon choix avec cette mission. On y va. Bien. J'adore voler. Capitaine Kerry, vous a affecté un intercepteur TIE. Cette machine est conçue pour découper les chasseurs ennemis. Et c'est ce que vous savez faire de mieux. Ah. Bon, je vais garder l'équipement, hein. À chaque fois je fais ça. Et j'ai hâte de voler, hein. Je vous cache pas qu'à chaque fois, je suis très content de relancer le jeu. Je suis devenu accro aux sensations de vol. Mais vraiment. Et paradoxalement, je me dis que sans ça, sans le casque VR, je le trouverais bien moins sympa, le jeu. Je verrais parce que je le referais... Parce que, alors là, vous le voyez pas, du coup, si je les ai postés, les vidéos, a priori, si tout se passe comme je l'imagine... Les cinématiques, vous les voyez bien plates. Mais moi, en VR, quand j'ai une cinématique, en fait, devant moi, c'est comme un écran de cinéma. Donc, pour vous, c'est comme si on filmait un écran. Et c'est vraiment désagréable. Donc, je vais refaire le jeu en 2D, entre guillemets, enfin, sans la VR, juste pour capturer les cinématiques. Vous voyez, je pourrais les choper hein, sur YouTube. Je le fais même pas, parce qu'elles sont en anglais, et alors que le jeu, je l'ai mis en français, parce qu'il y a un petit icône, alors j'aurais pu l'enlever, le flouter, bref. Je refais le jeu juste pour que ce foutu let's play
soit vraiment complètement capturé par moi-même. Et je verrai bien comment est le jeu, sans VR. Allez, c'est parti, on décolle. Enfin. Ah, allez, c'est reparti. Beau panorama encore. Hein. J'ai ordonné à l'escadron Titan de patrouiller la zone pour nous préparer à l'attaque ennemie. Bien. Mon dépôt de munitions est aussi important qu'explosif. Je m'attends à ce que vous le défendiez au prix de vos vies. Escadron Titan, séparez-vous et patrouillez le dépôt. Trouvez le Baradium avant l'arrivée des rebelles. Au sucré. Titan 3, suivez-moi. Ouais, je sais pas si vous voyez les animations à chaque fois, le cockpit est très très bien animé, hein. C'est un des gros plaisirs du jeu, hein. Indéniable. Je me referai les autres Rogue Squadron, et Rogue Leader, et Rogue je sais plus quoi. Ça va me faire bizarre de pas avoir tout ce confort visuel. Mais alors où est-ce qu'on va récupérer les ressources, nous ? Je me demande combien de nos avant-postes ont survécu. Il pourrait y avoir plus de ressources, des documents, des armes, des médicaments. Tour. Oh le bon bruit que ça fait. On n'est pas très loin de la planète là. J'aime bien le panorama en bas. La dernière tour est dégagée. Bon. Aucun signe des rebelles. Kralm a plusieurs vaisseaux dans la zone. Visez-les avec votre scanner pour trouver le Baradium. Titan 3, séparez-vous et trouvez-le. Okay. Jusqu'à un cargo. Titan 3, faites pareil. Aucune cible. C'est où, c'est là ? Pas de Baradium, mais vous. Allez, go ! Ah voilà, scan en cours. Ah oui, c'est vraiment prêt, je m'attendais à plus. Il n'y a pas de Baradium dans ce vaisseau de transport, mais je détecte des missiles à concussion, des canons ioniques et des bombes à plasma. Ouais. Quand je pense à ce que nous aurions pu faire sur Endor avec ce matériel. Allez, Titan 3. J'ai un plan. Où est-ce qu'on va ? Sur Jabez, nos forces ont utilisé du Baradium transporté avec des navettes cargo de classe Zeta. Si Kralm a du Baradium, il pourrait faire la même chose. Nous avons lancé des frappes au Baradium pour faire sortir les rebelles sur Jabez. Mais ça n'a pas fait sortir les rebelles. Ça les a incinérés. Et voilà. Ah. Ça a bastonné. Ils sont où ? Ils sont derrière. Scanner la navette. Classe ETA. Oh, attendez. Je suis où ? Je sais même pas où je suis. Marrant ça. Ouais ! Du
J'en détecte actuellement des traces dans tout le dépôt. Mais elle est où? Je vois pas ce que j'ai. Ah là! Atteindre, ok. Vitesse! Max! J'ai envie de me bastonner. Des bombardiers rebelles attaquent les tours de contrôle. Détruisez ces bombardiers, Titan. Mais je comprends pas pourquoi choisir entre moteur, arme, alors qu'en bas. Ah oui, c'est pour convertir d'un coup. Bon, allez, c'est parti. La tour 1 est prise pour cible. Tour. Allez, on défend la tour, c'est ça? C'est parti. Oh là. Oh là. Non, là ils sont trop derrière. Ah, le casque rame. Ah, je sais pas si vous allez le voir ramer. Oh la vache. Ça s'est mis à ramer. Ils sont où là? En plus j'ai tout perdu. Ah la vache, du coup. Mince. Occupez-vous de vos affaires la prochaine fois. Bon. Ça va pas là. Ça va pas. J'ai été complètement perturbé par le casque qui m'a fait faux bond quand on s'est croisé. Et depuis, je fais n'importe quoi. Alors, ils sont où? Parce que je vois les tours, je vois pas les ennemis. Voilà. Allez, allez, allez. Les B-Wing là. Ah, j'ai plus rien. Ah! Ah! Faut que je chope! C'est bon. Vache, mes lasers ils partent vite. Hein. Où ça? Ok, ça c'est nous. À droite. Oh non, ça rerame! Ah, je sais pas si vous le voyez, vous. J'espère pas, la capture. C'est infernal comme ça rame. Je pense que c'est le Wi-Fi. Je sais que j'ai un ami là qui utilise mon Wi-Fi. À mon avis, le casque ça doit être trop limite pour lui à des moments. Yes. Super. Ah la vache, ça rame, ça y est. Ah, c'est pas une excuse, hein, je vous assure. Heureusement que j'étais là. Allez, je vous colle au train. Ah, j'aime bien quand ils ralentissent comme ça, là. Oh, la vache. Mince. Allez. Yes. Go. C'est reparti. Vous me remercierez plus tard. Et donc, je dois vous remercier. Allez, nickel. Radar, plus rien. On a eu chaud. Rebelles en provenance de l'hyperespace. Ouais. Ah, rebelles en provenance. Attendez, je vois sur le radar. C'est une corvette. Où ça? Concentrez vos tirs sur la corvette. Elle est où la corvette? Son bombardier d'escorte. Là. Là. 2000 mètres. Allez. Ça touche pas. Zut. Oh là là, on lui fait du dégât là. Il faut que je recharge. Ah, il se vide trop vite. Eh ouais, mais je tire. Je suis à fond là. Oh punaise. Titan,
Et j'ai rien d'autre, hein. Wow! Qu'est-ce que j'ai fait? Ils sont à l'offensive. Eh oui, mais elle est où la corvette? Elle est là. Ah, ça rame, ça rame, ça rame, ça rame, ça rame. Ah, ça rame trop! Ah, la vache! Ah, c'est à 3 FPS, qu'est-ce qui se passe? Quel enfer! Il bug mon TIE là! On est mal là. Bah oui. Il se concentre sur la tour 1. Eh, j'ai beau tirer. Oh la vache, ça y est. Ouais, monstrueux quoi. Oh. Il est où? Il est où? Il est où? Je l'ai perdu. Allez. Faut me ravitailler là. Et... c'est bon. Allez, qui c'est qui me suivait là? C'est derrière moi en fait. Il est où? Il est encore là. Yes. Ah, je l'ai croisé. Oh, punaise. Oh, le casque. Oh, il sait pas ce que je fais. Allez! Allez! C'est bon. Ils sont où les autres? On dirait bien que vous m'en devez une. Allez! Ah, la vache est derrière moi! Allez, un tour sur moi-même. Non? Toujours pas? Ah, c'est pas vrai! Faut que je me rapproche de ceux qui attaquent la tour là. C'est bon. Ah ouais, ils sont nombreux. Hein? J'ai plus de vie. Ravitaillez-moi. Attendez-moi, je recharge. Ah ouais, ouais, ouais. Non. On me tire dessus. C'est mal barré, là. Ah, vache, et le casque de temps en temps. Ah, il m'a esquivé. Non! Ah, ça rame! C'est bon. Ravitaillé par sol. Ils sont où? Allez. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. La tour 1, la tour 1, la tour 1. Qui c'est qui l'a pris pour cible? Les rebelles s'enfuient. Ah! Ok. Laissez-les faire. On les fera fuir à nouveau. Ouf. C'était un peu chaud. Titan, LT-514 pilotera les vaisseaux cargo à distance jusqu'à l'Overseer. Allez, on va aller là-bas. Dans les moteurs. Merci Sol. Titan, c'est le moment. Escortez les navettes cargo jusqu'à l'Overseer. Graal ne remarquera rien tant qu'il sera assiégé. Escortez les navettes. On se concentre sur le Baradium. Elles sont où? Titan 3 et moi, on s'occupe de l'autre. Alors pourquoi ils m'ont fait aller là? Pour retourner là-bas. Ah oui, escorté, d'accord, ils sont là. Bon, d'accord, c'est du combat. Classique. On commence à avoir l'habitude. Il est où? Ah, vache. Tiens, toi, là. Allez, c'est bon. Toi. Ah! Il est où? Là. Oh,
Zut. Ouah, c'est chaud. C'est bon. C'est bon. Ok, les autres. En dessous, c'est pas bon. Ah, je l'ai pas eu. C'est bon. Les transports sont partis, mais ils sont vulnérables. Protégez-les. Je ne vois pas d'autres là. C'est bon. Ok. Yes. Vache! Non. Ah la vache, il est mal, il est mal! Toi là! Ok. Ah, j'en ai entendu un autre. Non, c'est nous. J'ai du mal. Oh! Ils y sont allés au suicide là! Ah, je l'ai quand même touché. Ah la vache. Je pensais pas que je l'aurais d'aussi loin. Qui d'autre? Protégez notre paradium. Là. D'autres? Ils sont où? Non. Titan 3, défendez le transport de Baradios. J'essaye. Ah voilà. Détruisez leur A-Wing. Allez. Oh la vache, la vache, la vache, la vache. Non. Rampe pas maintenant. Ah, mais c'est quoi? Il se passe trop de trucs pour lui ou quoi? Oh la vache! C'est bon, ça revient. Je crois que je l'ai eu en plus avec le... aussi la tête chercheuse. Yes. Un autre. Allez, un autre, un autre. Là. Yes. Ok. Qui d'autre? Aucune cible. Pas mal. Ah, ça recommence. Là-bas, ça rame, ça rame. Oh! Ils ont envoyé une frégate. Détruisez-la immédiatement. Shen, prenez les devants avec les bombes ioniques. Nous vous suivrons. Les bombes ioniques? Je détruirai leur bouclier. C'est lui qui les a? Titan 3, concentrez-vous sur les tourelles dès que la frégate n'a plus de bouclier. Quand la frégate n'a plus de bouclier, donc faut que j'attende? Go! Allez! Commençons par neutraliser ces tourelles. Ah, les tourelles, ok. Non! Je crois qu'ils ont une cible. Non! Bon, c'est bon. Vous avez essayé. Où ça, la cible? Elle est où? Ah, d'accord, c'est au-dessus. Ok. Je prends un peu de hauteur. On se remet en attaque. Alors, allez. Ok, très bien. Allez, il faut que je surveille ma vie aussi. Voilà, 60. Un deuxième. Un deuxième. J'en profite, 60. En force, ça passe. Ça passe, allez. Missile contré, on va faire une esquive. 47. Non.
Ravitaillé par Sol, merci Sol. Allez, on y retourne. Yes, je crois que c'est bon. Vous avez sécurisé le baradium et protégé le parfait. Les rebelles. Mission accomplie. C'est la mission de Graal, mais la nôtre, capitaine. Titan, atterrissez au dépôt pour un débriefing immédiat. Au dépôt. Escadron Titan, retournez immédiatement à l'Overseer. Nous allons quitter le système de Rémitique. Parfait. Capitaine, je vous ai confié une mission. Mes ordres viennent de vos supérieurs, colonel Graal. J'ai tout ce qu'il me fallait. Coupez donc les communications avec cet imbécile. Vous le regretterez, capitaine. Je vous le promets. Les réparations de l'Overseer continuent, mais le baradium que vous avez réquisitionné au dépôt du colonel Graalm vous donnera un avantage surprise au chantier naval de Nadiri. Eh ouais, ok. Amos, Graalm, on retrouve sans cesse ces imbéciles qui oublient de quel côté ils sont. C'est pour ça qu'on a besoin d'un nouveau Sénat impérial. De quelqu'un capable de contrôler ces idiots. Nous avons une guerre à gagner. Les officiers comme Graal ont besoin d'être dirigés, pas d'une laisse. L'horizon est plutôt dégagé, Sol. Mais pensez à regarder ce qui se passe autour de vous. Avec ce baradium à notre disposition, nous serons au premier rang de l'attaque des chantiers navals de Nadiri. On a été pris par surprise dans l'abysse de Zavian. Cela ne se reproduira pas. D'un seul coup, la capitaine Kéril nous a fait passer d'un vaisseau en ruine à une installation militaire essentielle. Elle doit avoir un plan. On va voir ce qui nous attend ensuite. L'ambiance est chouette, hein, quand même, avec les Stormtroopers en fond, là. Qui marchent au pas. C'est pas mal, hein. Allez, briefing. La victoire nous tend les bras. Nous connaissons l'emplacement des chantiers navals de Nadiri, et l'Overseer est presque revenu à sa puissance maximale. Notre seul obstacle est l'escadron Vanguard. Je ne le laisserai pas nous prendre par surprise. Pas une deuxième fois. L'amiral Sloan a un plan pour attirer l'escadron Vanguard et les autres défenseurs à l'écart des chantiers navals de Nadiri. L'amiral a ordonné que l'escadron Titan fasse partie du plan. Et elle veut que vous preniez le commandement. Du moins, pour cette mission. J'ai confiance en l'amiral Sloan. Vous avez prouvé votre valeur à maintes reprises. Mais attention, gardez la tête sur les épaules. Ce serait dommage de finir comme le colonel Graalm. Ah, pourquoi cette menace? C'était complètement gratuit. Pourquoi cette menace? Nos munitions de baradium nous donnent la puissance nécessaire pour attaquer le Starhawk. Mais la situation n'est pas si simple. Les chantiers navals de Nadiri sont protégés par une imposante flotte rebelle. On ne peut pas attaquer le Starhawk tant qu'il n'est pas vulnérable. La stratégie de l'amiral Sloan est simple. Leurrer la flotte de la République pour l'écarter de Nadiri en attaquant simultanément des cibles ennemies dans la galaxie. Nous devons attaquer Mon Cala. Nous ne sommes pas assez pour une bataille rangée, donc vous devrez faire vite. Votre mission est de répandre le chaos avec de multiples attaques, en bougeant rapidement. Ces modules de ravitaillement sont votre première cible. Ensuite, attaquez les transporteurs civils et les frégates médicales qui les accompagnent. Cela fera certainement sortir l'escadron Anvil qui défend Mon Cala. Gardez un temps d'avance sur eux si vous pouvez. Titan 3, vous allez pouvoir prendre de nouvelles responsabilités. Vous mènerez l'assaut. Faites en sorte que ce soit rapide et brutal. Ils l'ont bien mérité. Et pendant que Titan attaquera Mon Cala, deux groupes de combat lanceront l'assaut sur Onderon et Gorse, coupant les renforts de la République. Ah, repos, pilote. Les rapports sur vos exploits arrivent de manière récurrente sur mon bureau.
Ces récompenses sont méritées, amiral. Si l'escadron Titan est une arme, notre dernière recrue en est la gâchette. Comme je l'espérais. Considérez Mon Cala comme un test, pilote. Les meilleurs talents ont besoin des meilleurs défis. Tout à fait, amiral Sloan. Et j'attends avec impatience que vous puissiez lire un autre rapport sur mes exploits. Je vais fermer les yeux sur votre acquisition non approuvée de baradium du colonel Gralm. Mais j'espère que vous aurez tous les deux appris quelque chose après cette rencontre. Le colonel Gralm est efficace. Après tout, il a défendu avec succès son dépôt, sans utiliser aucune de ses ressources. Mais un officier impérial doit également faire preuve de finesse pour commander efficacement. Nous comprenons, amiral. Complètement. Ce sera tout. Bien. Allez, en route. Pour cette mission, vous pouvez voler dans un chasseur, un faucheur ou un intercepteur TIE. Au choix. Qu'est-ce que je préfère ? Bon, pas un faucheur. Ils sont beaux. Hein. Oh, j'adore le design. Mais pas un faucheur, non. Soit un intercepteur, soit un chasseur. Je sais pas vraiment. C'est quoi ? Coque max, vitesse, accélération et maniabilité. Ah ! Connexion à l'air link perdue. Ça faisait longtemps, tiens. Allez, on reconnecte. Ah, j'espère que ça va pas me faire ça en jeu. Wow. Très joli design. Mon Cala, c'est l'un des plus grands arsenaux de la République. Quelle science. Quelle cible parfaite. Pas de pitié, Titan. Notre victoire sur la Dirie dépend de la terreur et du chaos que nous sèmerons ici. Votre première cible, les modules de ravitaillement orbitaux. N'oubliez pas, des chasseurs ennemis patrouillent dans ce système. Soyez rapides et matez toute tentative de résistance. On y va. On vous suit, Trois. Ok. Faut détruire ça. Regardez ces transports disparaître. Comment ça marche? Faut faire vite. Concentrons-nous sur les modules. Les modules, ça doit être ça, j'imagine. Le carburant, c'est le nerf de la guerre. On va voir. Sans carburant, pas de vaisseau ni d'approvisionnement. C'est la défaite assurée. Non, c'est ça qu'il faut détruire. Ah bah voilà, ok, la cible qui vient plus tard. Oh, sympa les explosions. Ok, allez, c'est bon. C'est du tir au pigeon. Hein. Quoi? Ah, il y a des cibles. Ah! Réaction en chaîne. Pour l'instant. Ah, j'ai plus rien. C'est bon. Titan, l'escadron Anvil a été alerté. Les renforts ennemis seront ici d'un instant à l'autre. Oh, on a le temps, on a le temps. Anvil. Parfait. Vous pouvez prendre la tête, Trois. On a une revanche à prendre. Compris. Chasseurs ennemis en approche. Attendez, on va terminer ça, non? Alors, yes. Détruire les chasseurs en ville, c'est pour moi.
Allez. Où ils sont? J'aimerais bien avoir un lock. Ah, attends. Non. Ah. Ok, toi c'était bien. Toi c'était bien, sinon tu vas me chasser. Allez. Ah, ça l'avait loqué. Ok, ok, c'est bon, c'est bon. Yes. Ouh, il y a une collision là. Ah oui. Attention derrière vous. Ah, pas suffisant. Yes. Suivant. Allez. Ça l'a eu? Non, il a esquivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Yes. Suivant. Oh, je commence à être léger en vie. Hors de portée. Ah! C'est bon. J'aurais besoin d'un ravitaillement. Merci Sol. Décidément ce Sol. C'est un bon camarade. C'est un bon compagnon, Polo. Ah. C'est bon. Il est où le suivant? Il est là. Oh, trop loin, trop loin, j'avais pas vu. Qu'est-ce que c'est que ces symboles? Oh! Ah. Je vais vous choper. Ah ouais, d'accord, c'était... Ah, ils sont costauds, ceux-là! Ils sont résistants. Ah, ils se font soigner. Non, c'est bon. Suivant. Là. Ça va, on est pas trop embêté par les X-Wing et autres renforts. C'est bon. Qu'à faire. Cible suivante. Ah. Go. Presque. Allez, c'est bon. On est où? Ces transports sont notre prochaine cible. Ah. Je crois que l'escadron Anneville est déjà sur place. Escadron Titan, ces vaisseaux sont sous notre protection. Partez ou vous serez anéantis. Il y a une troisième option, Anneville. Ça va pas vous plaire. Transpercez ces défenseurs Anneville et détruisez les transports. Pas de soucis. Les transports essaient d'atteindre les défenses planétaires de Mon Cala. Ils ne font que retarder l'inévitable. Éliminez cette cible. Allez, on va les faire un par un. Ah, allez, non. J'aurais dû charger les missiles plus tôt. Ah ouais, là, on va être au cœur de la tempête. Merci Sol. Allez. J'ai plus rien. J'ai plus rien. Bon allez, je fais n'importe quoi. Ouais, je crois. Oh la vache, y'a personne pour me ravitailler. Allez.
Oh. Bon allez, on va la faire un peu plus sérieusement. Titan 3, ces transports sont notre prochaine cible. Je crois que l'escadron Anneville est déjà sur place. Escadron Titan, ces vaisseaux sont sous notre protection. Partez ou vous serez anéantis. Il y a une troisième option, Anneville. Ça va pas vous plaire. Transpercez ces défenseurs Anneville et détruisez les transports. C'est comme si c'était fait. Allez, X-Wing. Ouh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Une observation plutôt. Le projet Star Hawk doit être détruit. Mais le prix à payer sera élevé. De rien. Je suis trop loin. Comment je peux faire? Détruire deux vaisseaux de transport. Il est où celui qu'on essaie de détruire? Il est là. Ah, les X-Wing. Ah la vache, ils sont nombreux. Vous allez le regretter, Titan. Allez, on booste. Je vais les avoir derrière. Attendez-moi, je recharge. Allez, attaque coordonnée. Yeah, c'est bon, on les a détruits. Ok, ok, c'est bon, on va pouvoir s'occuper des petits chasseurs. Ah non, 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 je veux un autre. C'est quoi la prochaine cible? Yes! Pas mal, pas mal, pas mal. On avance. Nettoyez-moi ça. Wouah, les gars, attention. Ah, il y a beaucoup de X-Wing. J'ai besoin d'un ravitaillement. Le transport ennemi est neutralisé. Oh punaise. Alors il faut aller vite. 18 de vie, allez charge, charge. Oh, il y en a en face je crois. Eh oui, oui. Bombarde. Bombarde. 2 de vie. Ah. Non. Ah, ils m'ont remis là. Ah, la triche. Ah, on va pousser. On vous écoute, 3. Attaquer des civils. Jusqu'où ces impériaux tomberont-ils? Quelle noblesse. On attaque dès que vous êtes prêts. Non, on atteint la cible. Ne vaut rien, verrouiller ta cible. Vous ne m'arrêterez pas. Allez, go. Notre prochaine cible est cette frégate médicale. Une frégate médicale? Elle transporte des patients? Non, du bacta et des stimulants. Mais perdre des fournitures médicales en temps de guerre est encore plus dévastateur. Détruire. Vous voyez la cible? Éliminez-la. Le chasseur est en envolé. Ok. 82 de vie et... peut-être falloir que je bombarde un peu. Ah la vache! Je pourrais pas prendre trop. Mais je le vois pas sur le radar. Où est-ce qu'ils sont? L'ennemi a verrouillé sa cible. Si vous voulez détruire cette frégate, il faut faire vite. Ravitailler, ok. Heureusement que j'étais là.
Bah ouais. C'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Je reconnais que là, c'est un peu chaud. Hein. 34 de vie. Ah non! Non! À l'aide! Ravitaillez-moi! Punaise, la vache! J'y arrive pas du tout, hein, sur cette mission. Notre prochaine cible est cette frégate médicale. Une frégate médicale? Elle transporte des patients? Non, du bacta et des stimulants. Mais perdre des fournitures médicales en temps de guerre est encore plus dévastateur. Ils sont carrément en train de... Ouais, ils sont nombreux, là. Ce que je vais faire, c'est que je fais un passing et après je vais combattre les... Attaquer la frégate. Moi j'aurais besoin de me débarrasser de deux là. Ouah. Comment je peux tenir le choc? Ravitailler. Heureusement que Sol me ravitaille, mais... J'ai l'impression de me prendre des coups de shotgun, c'est très bizarre. Et je peux rien viser d'autre en fait. Éliminer cette cible. Je sais pas ce qu'il faut faire, je sais pas. Attaquer la frégate. Mais oui, mais... Ils sont où? Ils sont où en vrai? C'est mes alliés ça. Eh oui, mais... Aïe, 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 je vais pas tenir. Je vais pas tenir. Oh là là, il m'a ravitaillé. Il m'a ravitaillé et ça rame. J'ai rien compris à ce qui se passait. Détruire la frégate. Ah non, non, moi j'y arrive plus. Hein. Mais c'est pas vrai. Ah, l'overseer. Ah, je veux bien, mais... Mais ça se passe très mal. Ah! La coque en dessous. Ah non! Rayon tracteur! Vache! Ouais. C'est compris. Il est où? Je sais pas ce que c'est de rayon tracteur. Ça y est, ils sont derrière moi. Vache! Ah la vache! Ah, c'est fini. C'est fini là. Oh. Allez, je vais essayer de m'abriter. Oh putain. Ouais, c'est bon.
Non! Il est où? Oh, sol, la vache! On va essayer de bourriner. Wouah, c'est bon. Non, lâche-moi. Je suis leur cible. Je dois me charger. Oh la vache. C'est bon. Non, c'est très chaud, hein. Et je comprends pas que je peux pas loquer. Si je peux. Je peux loquer, attendez. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Non, il faut que je me fasse ravitailler là. Allez, merci. Parce que là, je peux rien faire. Ouais. Ah, ouais, il y a du monde. Il y a du monde. Il y a du monde. Ah non! Ils ont un bouclier! Allez, c'est pas mal. Mais je prends cher! Overseer. Je vais me réabriter. Ah, oh, j'ai besoin d'un ravitaillement encore, c'est pas possible. Est-ce qu'on est... Y'a personne pour me ravitailler là? Je peux faire ça peut-être. Qu'est-ce que je peux ravitailler? Missile, tous les alliés. Tous les ennemis. Non, tous les ennemis, j'ai dit. Peut-être qu'avec ça. Heureusement que j'étais là. Ah! Alors on va pouvoir jouer un peu là. Parce que vous m'avez bien gavé, les gars. J'ai un peu les boules là. C'est pas possible, le B-Wing. Ah! J'ai besoin d'un ravitaillement encore. On va se mettre là. C'est bon, il a pris en cours. Allez, viens. Oh là là. Y'a personne pour me ravitailler là, c'est quoi ce bazar? Allez! Quelqu'un là? Oui! Allez, on repart à la chasse. Pas mal, pas mal. Allez, on peut peut-être remettre un coup à celui-là. Oh la vache! Non, ça craint là. Ça craint, ça craint. Ah, on perd trop de vie, hein, trop vite. Et je comprends pas le générateur de bouclier où ils sont, mais j'arrive même pas à l'approcher en fait. Ah! Ils sont où les générateurs de bouclier? Allez, allez. Tant pis, je vais remettre des coups à l'overseer là. Non! Non! Lâche-moi! Oh, c'est pas possible! Ah, je suis mort. Je suis mort. Recharge en cours, non, c'est mort. Je vais jamais y arriver, on me tire dessus. Oh non, à l'approche. Bon, vous avez essayé. Allez.
Il est où le rechargement, il est où? Faut que je reste à l'abri là. La coque est en danger. Attendez-moi, je recharge. Eh ben dis donc, je crois que c'est la mission que je comprends moins depuis le début. Je me fais tellement harceler dès que je décroche de l'overseer. Merci. Allez. Putain. Qui tire dessus? Ça vient d'où? Putain, pourtant il est mal en. Il est mal en point lui. Ah attends. Eh bien je vois pas les générateurs. Je sais pas ce que c'est le générateur. Ah oh, mais c'est pas vrai. Ah oh, c'est la fin là, c'est pas possible. Et là je peux pas ravitailler, c'est quoi? Ils insistent. 3 de vie. Voilà. Je comprends rien du tout. Mais rien du tout. Bon, détruire, je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est ça, faut vraiment passer dessous. Et dès qu'on passe, regardez, je fais un passage, je perds tout. Et là, je suis mort. On peut rien faire. Ah, c'est ça peut-être? Non, ça c'est canon. Faut rentrer là! J'ai même pas eu le temps de détruire un truc. Non, je vais mourir. Mais ok, je crois que c'est ça. Ok, je crois avoir trouvé ce que c'était. Alors là, ça va être chaud parce qu'il va falloir tourner autour de façon assez rapide. Regardez. Les branchies, ça va être ça. Je sais, je sais. Allez, c'est ça. Allez! Puissance max, là! Ouah, ça va être chaud, quand même. Hein. Allez, on fait du drift. Là, il n'y en a pas, je pense pas. Je suis en train de voir, mais... J'en repère pas. Je vais pas tenir mon... Ah merde, c'était en haut. Attendez, mais... Je suis trop bas ou quoi, là? Je comprends pas ce que je fais. Faut que je prenne... Faut que je prenne un peu de distance. Nous progressons. Le Silver Coronet subit des dégâts. On intensifie. Alors. Ah, là, ils l'ont détruit. Et c'est surtout de l'autre côté parce que l'overseer y a pas accès. Là. Là, vous voyez, c'est ça. Attention. Ouais. Ok. Yes, un en moins. Allez. J'ai compris. Ah, ils l'ont détruit là aussi. Alors, où est-ce, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Titan, ne perdez pas de temps avec les sections endommagées. Frappez-en d'autres. D'accord, les sections endommagées. Enfin, déjà endommagées, il en faut d'autres.
Allez, on prend un peu de vitesse et surtout de distance. Et on drift. C'est parti. Il est où? Allez, on bombarde. Allez, c'est pas mal ça. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Un peu de vitesse. Allez. Et surtout, un peu de distance. Et on drift. Allez. Waouh, il se prend des trucs. Non! Non! J'ai mal visé! Non! Allez, recharge en cours. Allez, petit drift. Il faut absolument que vous veniez me recharger. Putain, vous ne pouvez pas me recharger. Si! Yes! Allez. Là, ça a l'air intact encore. Mais je rêve où ils ont dû... Allez, c'est bon. Laissez-moi recharger. Ah là, il y a cette partie là. Allez, allez. Ah la vache, c'est chaud là. Je suis sous le feu ennemi. J'ai plus rien. On s'échappe. Oh là 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 là, faut que je fasse attention. Allez. C'est bon, on y retourne. Ils insistent. Ah, il y a des navettes en haut. Allez. Non. Je me suis fait choper. Non, 27 de vie, 22. Ah, sol, heureusement. Je prends un peu de distance. Allez. Non, non, non. C'est bon. Ouais, ouais, ouais. Rechargement là, si possible. Un peu de distance. Il est quasi mort, quasi mort. Allez. Attention. Attention. C'est parti. Oh yes. Comme il brûle bien. Anvil leader à toutes les unités opérationnelles. Si vous m'entendez, repliez-vous sur Mancala. Je répète, repliez-vous. Et maintenant? Allez. L'Empire sera fier de nous. Ah, pas mal. La République s'empressera de défendre Mancala et laissera Nathiri sans aucune défense. Excellent travail. Notre dernière cible est droit devant. Les épaves fumantes au-dessus de Mancala et d'autres sites clés à travers la galaxie devraient attirer la flotte de la Nouvelle République à l'écart. La voie vers les chantiers navals de Nadiri est libre.